Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser des gâteaux de Noël, appelés aussi bredelles. Il nous faudra comme ingrédients 100 g de beurre pommade, 150 g de farine, 70 g de poudre d'amande, 100 g de sucre et un œuf. On va commencer par prendre notre beurre, on le verse dans un saladier. On y ajoute notre sucre. Ainsi que notre poudre d'amande. Puis on mélange correctement. Voilà, on casse ensuite notre œuf dans un bol. Puis on va le battre. Une fois qu'il est battu, on l'ajoute à notre mélange. On mélange correctement. Comme ceci. Puis on ajoute la farine. Et on vient ensuite travailler notre pâte à la main. On obtient donc une pâte bien lisse qu'on va laisser reposer une heure au réfrigérateur. On prépare ensuite une plaque avec du papier sulfurisé. Puis on va étaler de la farine sur le poste. Voilà, on coupe ensuite notre boule en quatre. Puis on commence à travailler une première partie. On reforme une boule avec. Et nous allons l'étaler sur le poste pour obtenir une épaisseur de 5 mm. Voilà, une fois que notre pâte est étalée, nous allons détailler quelques motifs. Donc là, je vais prendre une petite lune. Puis on le pose sur notre papier sulfurisé. Pareil avec la petite étoile. Une étoile filante. Et un cœur. Voilà, on procède ensuite avec le restant de pâte et on étale bien sur notre papier sulfurisé. Voilà, notre plaque de biscuits est prête. On va maintenant les dorer, donc avec un jaune d'œuf ou un œuf entier battu et un pinceau. Nous allons appliquer la dorure sur chaque biscuit. On enfourne ensuite à 200 degrés pendant 10 minutes. Voilà, une fois que nos 10 minutes sont écoulées et que nos biscuits sont bien dorés, on va venir les placer sur une grille. On les laisse ensuite refroidir, puis on les mettra dans une boîte en métal. Je vous aurai ainsi montré comment réaliser des gâteaux de Noël. À bientôt, au revoir !